Bonjour, je suis Jean-Luc, je suis esthéticien et je vais vous expliquer aujourd'hui comment ne pas avoir de problème de rasage. Le rasage, c'est une opération qui doit être rapide, facile et confortable. Beaucoup d'hommes se rasent tous les jours et effectivement, il faut éviter d'avoir des problèmes par rapport à ce geste-là, que ce soit des coupures, des irritations ou un inconfort dû au rasage. Effectivement, un homme passe en moyenne 6 mois de sa vie à se raser. D'où l'importance de trouver la bonne technique et les bonnes solutions pour que cette opération se passe le mieux possible. Alors, pour bien se raser, il y a deux choses essentielles à respecter: avoir un bon outil, des bons outils et une bonne gestuelle. Toujours rasez-vous avec une peau propre. Donc, après vous être lavé le visage, l'idéal c'est de se raser après votre douche, une fois que vous avez nettoyé votre visage. Une fois que votre visage est propre, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser soit un gel, soit une mousse, soit une crème de rasage, suivant votre type de peau. Sachez qu'une crème de rasage va amener le plus de protection possible et c'est ce qui va faciliter la glisse de la lame sur votre peau et éviter les irritations. Donc, d'une manière générale, utilisez un rasoir bien affûté et n'hésitez pas à changer les lames régulièrement parce que plus le rasoir est de bonne qualité et en bon état, meilleur sera le rasage. Alors, une fois que vous avez étalé la crème ou le gel de rasage sur votre visage, ce que vous faites, vous prenez votre rasoir, vous le mouillez à l'eau très très chaude, de manière à préparer la lame, et ensuite vous allez appliquer le rasoir sur votre peau et le faire glisser toujours dans le sens du poil, c'est-à-dire de la racine vers la pointe. Et si vous voulez faire plusieurs passages ou si vous préférez avoir un résultat encore plus net en vous rasant un contrepoil, toujours remettez un petit peu de produit de rasage. Une fois que vous avez rasé l'ensemble de votre visage, vous allez pouvoir rincer le produit toujours à l'eau tiède. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de systématiquement appliquer après votre rasage une crème après rasage qui va permettre d'apaiser la peau, de l'hydrater et d'assurer donc à la peau un meilleur confort pour la journée.